Salut, c'est Christophe sur Shake Your Guitar. Aujourd'hui, un nouveau format différent, ça sera les riffs du samedi, ou le riff du samedi. J'ai pas pu l'enregistrer hier, mais on va garder le nom. Donc aujourd'hui, le riff principal de Secret Agent de Rory Gallagher, ou Rory Gallagher, comme on dit en Irlande. Ce morceau est assez proche de Tosh, par exemple, de ZZ Top, hein. Une sorte de rock texan à l'irlandaise, si je puis dire. Voyons ça tout de suite. Donc l'intro. Donc, ce riff est à 140 BPM en La. On constate que le premier lick est sur le La. La partie en La, c'est un plan qui va être joué assez vite. Donc, on va commencer par jouer le La vide. Donc, La, puis tout de suite après, on va jouer corde de Sol 0-2 avec un Hammer-on. On revient en pull-off au Sol. Puis on joue la corde de Ré à la deuxième frette pour avoir le Mi. Le plan suivant va être... Donc encore Ré. Ensuite un Hammer-on pour avoir le Mi à la deuxième frette. Et puis le Sol à Mi. Donc tout ce plan vraiment lentement. Encore une fois. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va jouer le Do en ne jouant que les deux cordes de Ré et de Sol, hein, à la cinquième frette, en alternant en jouant avec le La. On va d'abord les jouer deux fois. On joue le La et ensuite, même punition pour le Ré, hein, avec les deux mêmes cordes. On peut le faire avec ces deux doigts-là. Donc, et pour le plan suivant, vous allez faire la même chose, mais au lieu de faire Do Ré, vous allez faire Do Sol. Alors, on va alterner pareil avec la corde de La, mais jouer le Sol uniquement, hein, vous allez jouer la fondamentale et la tierce majeure sur les cordes de Ré, donc 5 et Sol 4. Pardon. Ensuite, ce que je vous ai montré au début de l'intro, le Sol avec l'harmonique, où on tire, on pousse en fait avec un doigt, je vous ai déjà montré ça dans une autre vidéo pour tirer l'harmonique. Ça, ce coup-ci, en tout cas, Rory adore faire ça, là il le fait qu'au début du morceau, hein, c'est vraiment le plan qui est fait sur l'intro à la place du riff en Do Sol. Alors, il y a un autre petit plan que j'aimerais bien vous montrer. Bon, alors c'est joué au slide normalement, je vais pas sortir le slide là, c'est pas le but du cours, j'ai dit que c'était un format très court d'ailleurs. Donc, ce plan là est joué des fois, deux fois d'affilée, il peut être joué dans les basses ici. Et des fois enchaîné par donc deux mesures de là. Hein. Bon, c'est doublé de toute façon sur la version studio, il y a une guitare, il y a plusieurs guitares. Il y en a une qui fait au slide, ça c'est sûr, il y a un slide pendant tout le long du morceau qui nous fait du solo, hein, de la lead guitare, du slide en tout cas.
Donc pour faire ce morceau, pour faire ce plan, vous pouvez le faire effectivement sans slide, en glissant la corde de si 1, 2, 8 à 10. Puis vous revenez, ensuite vous faites pareil sur la corde de sol avec 7, 9 et puis 7. On revient à 5, 7. Et 5, 7, corde de ré aussi. Bon, pour le jouer dans les graves, si vous utilisez les mêmes notes hein, dans les graves. Donc là, 5, 7, 5, 7, 3, 5, 3, 5. Voilà, 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 je vous ai dit que c'était un format très très court, donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo qui va sortir demain ne sera pas une leçon, mais une collaboration avec un pote, Kyle Wiles, qui habite à Saint-Louis. On a fait ça pour Internet, j'espère que ça vous plaira aussi. C'est dans la série Mendes Check. Quant à ce format court d'aujourd'hui que je voulais sortir hier, j'ai pas pu parce que j'ai eu quelques problèmes. Donc ça devait s'appeler le morceau du le riff pardon du samedi. Donc nous verrons pour le titre. Portez-vous bien, à très bientôt, likez évidemment si ça vous a plu et portez-vous bien.